Mais imagine un peu une espèce de crossover entre Elliot le dragon et Leatherface, et tout ça se passerait dans le décor de Glee, ça serait quand même une trop bonne idée, non? Mais ouais, mais ce serait génial. Enfin bon, bref. The Coach with a Dragon Tattoo est terminé, il est temps de réagir à chaud. Cet épisode a vraiment un nom beaucoup trop long. La vie continue à Coal Hill, mais nos héros, à peine remis de leurs émotions, doivent affronter un alien d'épaisseur de l'extrême. L'histoire est en deux parties entremêlées. Déjà une première qui suit la trame de l'épisode 1 et donc qui développe les personnages, et une autre qui est une toute nouvelle histoire complètement indépendante. Cette fois-ci, c'est centré sur Ram, qui prend encore une fois sérieusement cher. Du coup, on s'attache encore plus à lui et aussi à Tanya, avec qui il parle souvent. Ça a pas mal rappelé l'épisode de Doctor Who Hyde par certains côtés. Le coach et les aliens ont un développement somme toute assez proche mais très intéressant. Ils sont tous méchants, mais à leur dépens. Le seul à tirer un minimum profit de la situation, bah c'est le coach. Mais même, c'est vraiment tout petit. Les persos, une fois de plus, ne semblent pas très concernés par les conséquences de leurs actes. Oh, on a tué quelqu'un! Oh oui, oh là là, c'est mal! Ah oui, oui, ça l'est! Bon, on y va? Ok! Les cadrages sont encore une fois sublimes et inventifs. Et par contre, c'est bien gore et bien dégueu. J'aime ça. La musique se veut jeune et dynamique, mais malheureusement, ça ne colle pas très bien. Comme celle du générique, en fait. Générique très très beau, hein. Alors, la musique? Il y a moins de références cette fois-ci et elles sont plus discrètes, mais elles sont très amusantes à découvrir. Et un gros coup de cœur à la référence à The Demons quand Charlie cherche de la musique folk. Cet épisode est donc très différent du premier, mais tout aussi divertissant. Zombie les zombies, et à la semaine prochaine.